de ne pas être un mazir, d'être autre chose qu'un mazir. Et je crois que c'est leur droit. Sachant que nous vivons tous la marocanité, nous vivons tous avec une carte nationale et un passeport marocain, et nous sommes dans un grand territoire qui s'appelle l'État marocain, le Maroc. Alors donc, je suis très sensible, je suis très allergique aux gens qui le disent de manière très honnête et très sincère, je le sais, qui parlent de leurs origines. Mais justement, on n'est pas toujours à l'aise quand quelqu'un nous parle de ses origines, en se définissant en tant que quelqu'un qui est différent à nous, différent de nous, et différent de tout ce qui y a un rapport, ce qu'il a un rapport avec notre identité. Alors là, se posent des questions très sociologiques, anthropologiques, philosophiques, qui tiennent à l'altérité. Alors le moi, ana ou l'ahar. Donc le moi et l'autre. Pour me présenter brièvement, je suis de Goulmima précisément. Je suis plus de 50 ans, 52 ans, je vieillis comme tout le monde. J'ai été impliqué dans le mouvement amazigh depuis 1989, pratiquement. Hein, je dis bien pratiquement 1989 avec la fondation de l'association RIS à Goulmima. Après, donc, c'est tout un parcours militantiste jeune donc, au Maroc et ailleurs dans le monde avec beaucoup de militants. Donc, je ne vais pas exagérer si je vous dis que je connais tous les militants amazigh donc, qui sont un petit peu vieux, c'est-à-dire qui dépassent 40, 45 ans et plus. Je connais un petit peu les jeunes, mais les vieux. Je les connais un par un et on se connaît tous admirablement. Je suis professeur de sociologie. J'ai commencé à enseigner les mathématiques au lycée. J'ai laissé tomber, j'ai fait un master, à l'époque, ça s'appelait un DES, un diplôme des études supérieures en urbanisme et aménagement du territoire. Donc, de là vient mon intérêt que je porte toujours au territoire et à la territorialité dont je vais parler et dont j'ai parlé dans mon livre. J'ai refait mes études après un baccalauréat nouveau. J'ai fait la sociologie. J'ai soutenu un doctorat. Je suis depuis 2008 vacataire et depuis 2012 enseignant titulaire à l'Université Qadi Ayad de sociologie. Voilà le contexte dans lequel est édité le livre. Le contexte dans lequel sont écrites mes idées. C'est le 21e siècle. Excusez-moi. J'ai préparé un papier que je vais essayer de regarder parfois et de lire. Je l'ai préparé à peine il y a quelques heures. C'est pour résumer. À partir de 1989, a débuté le 21e siècle. À partir de 1989, précisément. Parce qu'il y avait la chute du mur de Berlin. Voilà. Parce qu'il y avait l'effondrement de l'ex-URSS avec Gorbatchev en 1992. Donc, le 21e siècle, pour les philosophes et pour les sociologues, a commencé depuis 89 et non pas en 2000, en 2001. Alors ça, c'est le contexte mondial. Au niveau national, comme j'ai avancé tout à l'heure, j'ai toujours vécu donc depuis 1989 au sein d'un mouvement associatif. J'étais à Rachidia, Bni Mlal, Meknès, Rabat, etc. Donc j'ai travaillé dans toutes les villes à peu près. Donc et j'ai toujours suivi de près le MCA, le mouvement culturel amazigh, qui est un mouvement en vérité dans son fond, qui est un mouvement associatif. Et qui a passé de la revendication de la légitimité à la construction de l'identité revendiquée. Alors c'est là la circonstance nationale, la circonstance qui tient à tous les Marocains militants de la cause amazigh. Justement, c'est le passage de la revendication de la légitimité à la construction de l'identité. Ça s'est passé justement tout cela en 2001 en vérité. Le Daher d'Agdir, donc octobre 2001. Qui avait donné naissance à l'Institut royal de la culture amazigh, à l'IRCA. Donc, les deux contextes sont là. Mon livre, paru en 2011, l'a donc traité plusieurs questions. Donc, je vais essayer de discuter trois grandes questions qui étaient discutées dans plusieurs articles en arabe et en français dans mon livre. Alors, donc, la première, c'est la question de contexte idéologique dans lequel le mouvement associatif amazigh au Maroc a été intégré et institutionnalisé via l'institution l'IRCAM, dans les rouages du mahzen. Alors, quand je dis mahzen, je parle en termes anthropologiques, sociologiques, je veux dire par là l'état profond, je veux dire par là le pouvoir centralisé entre les mains d'une catégorie quelconque qui s'appelle le mahzen, qui fait tout ce qu'il veut jusqu'à aujourd'hui au Maroc, qui est le nôtre, qui est celui des Marocains, je dis bien.
La deuxième idée, c'est que justement l'idée de la pluralité et de la diversité que les Amazighs militants du MCA, dont je faisais partie avant 2008, ou bien 2000, ils ont vécu en 2005 jusqu'à 2008, parce que j'ai vécu une période d'hésitation et de recherche et de quête de soi, identitaire, intellectuelle, entre 2005 et 2008. Pourquoi 2005? Parce que c'était le moment où il y avait la charité internationale mondiale, la charité mondiale de la diversité culturelle, et qui a été ratifiée justement par le Maroc vers 2007. Donc, entre 2005, 2007, 2008, j'ai vécu cette hésitation, cette indécision quant à mon appartenance intellectuelle. Est-ce que je vais rester parmi les militants associatifs du MCA qui revendiquent un discours amaziriste, justement, qui a un trait avec les origines, avec une histoire quelconque, écrite par des gens à discuter, traduite de autres langues à partir de ce qu'avait écrit Hérodote et jusqu'à aujourd'hui, ou bien je vais faire une petite rébellion pour dire non, il faut réfléchir, il faudrait que le Coran ne passe pas comme ça, il faudrait réfléchir la cause, la question amazigh et culturelle marocaine et la question de l'identité culturelle. Alors, j'ai dit justement que le livre est paru dans l'idée de la pluralité, de la diversité que les militants amazighs défendaient contre quoi? Contre l'arabe, il faut être clair. Nous avions toujours demandé, j'étais membre de ce qui s'appelait à l'époque le Conseil de coordination, le Conseil de coordination des nations amazighes. J'ai été membre plusieurs fois et j'avais dans les baïnettes, les communiqués qui étaient sortis, toujours on revendiquait à ce que la langue. On revendiquait à ce que l'amazigh, la langue amazigh, soit reconnue de manière égale avec l'arabe. C'était la revendication. C'est même écrit dans la charte de l'Agadir de 1980. On revendiquait que l'amazigh doit être une langue nationale officielle. 1980, la charte d'Agadir. 1990, pardon. 1990. Alors, justement, il y avait cette revendication de la légitimité de l'amazigh à l'instar de la langue arabe, je dirais contre la langue arabe et contre l'arabisme, chose que j'ai toujours revendiquée moi aussi jusqu'à aujourd'hui. Je milite contre l'arabisme, mais je ne milite jamais contre l'arabe, contre la culture arabe. Il y a de l'arabité dans mon identité, mais l'arabisme en tant qu'idéologie, je milite jusqu'à aujourd'hui contre et je me positionne contre. Alors justement, il y a cette revendication, alors qu'une fois que les portes sont ouvertes de la part de l'État profond, il y a une sorte d'apostasie. Salah traduit en arabe. L'apostasie, c'est ridda, si vous voulez, parce que c'est un terme chrétien, religieux. Les militants amazighs qui revendiquaient contre l'arabe, alors se sont retrouvés au sein de l'État profond, au sein de l'IRCAM, au sein du Mkhzen. Alors ils sont à l'aise, ils sont heureux, mais il y a un autre débat qui était né à l'intérieur de la mazirité. Que faire de la mazir plurielle? Alors en 2001, dans le Dahir d'Ajdir, pour prendre note, il n'y a aucune phrase qui parlait de la mazir en tant que langue dans le Dahir d'Ajdir de 2001. Aucun. Le mot langue n'est jamais cité dans le Dahir d'Ajdir. Le Dahir d'Ajdir de Khnifra parle de la langue, parle de la culture amazigh. En 2003, j'ai suivi toute l'histoire de 2001 avant 2001, 2000. J'étais présent dans tous les comités jusqu'à 2003, 2004. Il y avait le nouveau recteur qui avait place de l'ancien recteur. Et d'un seul coup, il y a des centres qui ont paru officiellement, qui a été préparé bien sûr dès le début, dès 2001, mais qui apparaissent avec d'autres idées qui ne sont pas, qui ne figurent pas dans le Dahir d'Ajdir. J'ai noté ça dans mon livre. Alors, ce que j'ai essayé de montrer effectivement de 2001 jusqu'à 2005, parce que je faisais des entretiens, je faisais des enquêtes, j'ai essayé de 2005, pardon, jusqu'à 2008, de 2005 jusqu'à 2008, j'ai toujours travaillé. J'ai toujours voyagé entre Agadir, Nador, Tanger, Agadir, Rabat, Rachidia, Meknès, bien sûr. J'ai toujours essayé de faire des rencontres culturelles et associatives, et j'ai essayé
sortir avec un constat. Le constat est le suivant, c'est que mes enquêtés, les gens avec qui j'ai fait des interviews à l'époque et auxquels j'ai posé la question suivante. Est-ce que vous êtes avec la standardisation de la langue amazigh? Est-ce que vous êtes avec le panamazirisme? Parce que quand on essaye de créer un panamazirisme, on se positionne contre un panarabisme, alors moi je crois justement qu'il y a un extrémisme naissant contre un extrémisme qui est mépris. À l'époque, quand on dit qu'il y a quelqu'un qui est contre le panarabisme, le panarabisme à l'époque, je dis bien, il y avait tout le monde qui est contre toi. Aujourd'hui, au Maroc, partout dans le monde, tout le monde te dit que je suis contre le panarabisme. Mais on n'a pas encore pris conscience qu'il y a un problème dans la mazirité. Il y a un panamazirisme qui est en train de naître. Alors justement, ce panamazirisme-là, il est en train de remplacer un panarabisme qui est maudit, qui est mépris, que les Marocains ne veulent pas. Parce qu'il y a des témoignages justement que ce panarabisme ne fait que mener le Maroc dans un suivisme vers l'Orient et vers les politiques arabo-baptistes de Michel Aflaq, de je ne sais pas qui, etc., sans s'approfondir dans l'histoire du Hizb al-Ba'th, du Hizb al-Ba'th, le Souri l'Ouel, ou l'Iraq al-Tani, ou le Nasser al-Talit, et l'Akhiré. Alors, mes constats étaient comme suit, avec mes enquêtes 2005 jusqu'à 2007-2008. Alors, j'ai trouvé que mes interviewés se divisaient, ou bien se subdivisaient en trois catégories. La première catégorie, ce sont des militants, des intellectuels amazirs, qui sont conscients de cette apostasie, donc avec Rida, avec Taraj, de cette apostasie. Généralement, ils font partie des élites. Ce sont des gens âgés, des enseignants, des avocats. Ce sont des gens qui font de la politique. Ils sont des politiciens et la majorité d'entre eux le déclarent. Ils m'ont dit à l'époque que nous, on fait de la politique, on ne fait pas de l'académisme. On ne fait pas de la recherche scientifique, de l'académisme, on fait de la politique. Bien. La deuxième catégorie, ce sont ceux qui sont non conscients de leur conversion idéologique et n'ont aucune explication. Mais ils adhèrent au choix du premier, conformément. Alors, ces gens-là, ces militants-là, généralement, ce sont des jeunes, ce sont des étudiants ou bien des militants de la masse. Ils ne sont, en vérité, moi, je les qualifie de conformistes. Et ce sont des gens qui sont heureux de leur ignorance, parce qu'ils ne savent pas pourquoi. Il y a cette apostasie, il y a ce. La troisième catégorie, et c'est là où le bas blesse, où il y a un grand problème justement. Ce sont une catégorie qui est silencieuse, qui est consciente intellectuellement, mais qui sont loin de la politique politicienne, loin des partis politiques, loin des cercles justement officiels, mais en même temps qui ont une tendance pro-marzanienne. Pourquoi ? Parce qu'ils ont tous les avantages justement de ne pas être déclarés, de ne pas se déclarer eux-mêmes comme quoi ils sont contre l'IRCAM. Je ne sais pas pour quelle raison, je peux avoir des hypothèses qui sont les miennes, mais ils ne peuvent pas être contre l'IRCAM, peut-être parce que c'est une institution qui est royale, je ne sais pas parce que c'est une institution qui est officielle. Je ne sais pas, mais en demandant même la raison, eux-mêmes, ils ne répondent pas parce qu'ils sont dans une certaine indifférence, une certaine neutralité qui est très négative et très passive. Leur jargon, quand on discute justement, c'est qu'ils me disent que nous sommes d'accord avec toi, oui, mais. Hein? Oui, mais. Il y a toujours un mais derrière. Et surtout, justement, en discutant avec eux, en creusant un petit peu avec ce genre de bonnes gens, je trouve qu'ils sont des gens qui sont, entre guillemets, je dirais, c'est moi qui le dis, j'assume, soumis, et aimables par tous. Pourquoi justement ils sont aimables par tout le monde? Ils sont soumis, ils sont gentils, ils sont dociles, ils sont des gens qui caressent le chat dans le sens du poil. Ce qui n'est pas mon cas, justement, moi je suis méchant, moi je caresse dans le sens contraire, donc il est méchant, et ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire parce qu'il y a mille et une preuves que j'ai été toujours taxé de méchant intellectuellement parlant et idéologiquement parlant. Bien. Donc, ça, c'est le deuxième point. La troisième partie, la troisième raison pour laquelle donc, j'ai édité ce petit livre en quelques articles, en six ou cinq articles,
c'est de discuter de la valeur justement qui est dite la territorialité, la at-turabiyya. La territorialité, pour vous dire, et pour, je ne sais pas si je vous apprends quelque chose ou pas, c'est l'essence, c'est la valeur clé de ce qui est appelé la territoriale, et c'est la valeur clé de ce qui est appelé de nos jours la régionalisation avancée. Or, la régionalisation avancée, c'est un chantier qui a commencé au Maroc en 2013. Mais personnellement, ce qui m'a poussé à travailler sur tout ça et à être contre la standardisation de la langue amazigh, je suis pour une langue riche, plurielle, multiple. Je suis avec trois ou quatre ou bien cinq langues, je ne sais pas, mais il y a plusieurs langues, dont le Rif, l'Atlas, le Sousse, peut-être le Sud-Est, peut-être d'autres régions qui vont paraître où ils sont déjà là, mais je ne sais pas. Mais je suis sûr, ce dont je suis sûr et certain, c'est que je suis contre le terme unité, l'unité idéologique, l'unité mythique, l'unité qui mythifie et qui rend mystique cette question de langue avec un L majuscule pour dire qu'il est une. Alors justement, la langue amazigh n'est pas une. La langue amazigh est plurielle. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la territorialité. C'est l'essence même, c'est le fond, c'est le ciment, l'idéologie hein, positive qui est derrière la régionalisation avancée, qui est derrière la pluralité. Pourquoi est-ce que j'ai dit que justement, en 2005, il y avait cette renaissance de mon intellectualité? C'est parce qu'il y avait cette charte mondiale de la diversité culturelle qui était lancée par l'UNESCO. Alors, moi, à l'époque, je me suis posé la question. Pourquoi ne pas penser à rompre le silence et dire non à l'unité, non à la standardisation linguistique, amazigh, et non seulement amazigh, c'est partout, il y a une pluralité. Là où il y a Dina Hannah Arendt dit toujours que là où il y a le monde, il y a la pluralité. Et l'homme, c'est la pluralité, ce n'est pas l'unité. Hein, donc, c'est la nature humaine et c'est le quotidien. Alors, j'ai dit que discuter, donc, m'excuser encore 3 minutes ou deux, discuter de la valeur territorialité et de la territorialisation, c'est-à-dire demander à ce qu'il y ait cet aspect territorial, donc, pour expliquer, pour instaurer, pour fonder nos lois, nos décrets, nos droits, etc. Alors, justement, discuter de territorialité est un concept qui appartient aux sciences sociales d'abord, à la philosophie et à l'écologie aussi, parce qu'il vient justement de toute une écologie qui s'appelle l'écologie comportementale. Au sens humain du terme, je fais référence à Lacoste, 1976, il est très connu, et à Taylor qui a écrit sur la territorialité en 1978. Il dit que un territoire, pour moi, c'est une composante fondamentale de l'organisation politique de l'espace. Une composante fondamentale. C'est-à-dire, s'il n'y a pas notion de territoire à l'intérieur du Maroc, qui est un territoire avec un T majuscule, mais il y a des territoires avec des petits T, des T minuscules. Il y a plusieurs territoires qui sont des régions. Alors, je parle ici de la région linguistique, sociolinguistique, ethnolinguistique. Je ne parle pas de la région officielle, les 12 régions. Hein. Donc, je n'en parle pas ici, mais je parle de l'essence, de la philosophie de la régionalisation en elle-même. Alors, donc, au sens humain, ça marche. Comme ça marche aussi au sens philosophique du terme. Là, je fais appel à Muhlenberg, qui a dit en 1980 déjà que la territorialité est quelque chose qui est plus existentiel qu'essentiel. Il tient à l'existence. Il est essentiel, je l'ai dit, c'est l'essence de la région avancée. Mais il est plus existentiel qu'essentiel pour dire que c'est très important de parler de notre existence. Il est non, le wujud. Ah, sans territorialité, l'être humain n'existe pas. Il y a quelque chose qui s'appelle l'État, mais qui est un. Mais justement, ce un, quand on parle de l'amazighité, de la langue amazighe qui est unifiée, standardisée au niveau d'une institution publique, alors là, justement, on va dire que l'humain est massacré. La différence, la diversité est massacrée. Alors, ce philosophe voit qu'il est existentiel plus qu'essentiel. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il exprime et il permet de réaliser un vaste registre de relations contre qu'un individu ou un groupe d'individus entretiennent vis-à-vis d'un territoire. Qu'est-ce qu'on entretient avec nos territoires? Notre appropriation de nos territoires. On vit sur des territoires, ce sont des espaces physiques, avant qu'ils soient des espaces culturels et sémiotisés, comme dit Claude Rafestin. Il y a aussi cette affirmation. En psychologie, on parle de l'affirmation.
la reconnaissance, l'estime de soi. On parle de beaucoup de choses, des choses très importantes qui appellent justement à cette affirmation. On parle de l'organisation, de l'identification, de l'action. On parle de tout cela. Bien. Ça, c'est au niveau philosophique. Mais il y a aussi un autre aspect qui lie un petit peu l'humain et le philosophique en même temps et qui satisfait les divers besoins psychologiques de l'identité, de la vie privée et de la sécurité chez l'être humain. L'individu, en ce sens, tisse des relations, des rapports de responsabilité et de responsabilisation avec le territoire qu'il possède. Encore faudrait-il poser la question, est-ce que c'est le territoire qui possède l'homme ou bien qui c'est l'homme qui possède le territoire? Réponse évidente. Lorsque je suis inscrit dans une unité territoriale centralisée au niveau d'une capitale, je suis un vrai sujet, je suis quelqu'un qui est passif, je ne suis pas un acteur, je suis un agent, je suis un conformiste. Je suis quelqu'un qui est soumis à cette unité, alors là, je ne possède pas le territoire. Je voudrais dire que c'est le contraire qui est fort, fort raisonnable, c'est que c'est l'homme qui devrait posséder le territoire. Comment est-ce que l'homme posséderait le territoire? C'est en se positionnant justement dans cette optique de posséder le territoire. L'homme doit être maître de soi-même et de son territoire. L'homme doit être maître de la nature. L'homme doit être maître de soi. L'homme doit avoir, en un seul mot, une conscience. Je reviendrai dans le débat vers la conscience individuelle et la conscience collective. Dieu merci, il y a même une relation avec ce qu'on vit maintenant, le Covid-19, la pandémie, avec une conscience collective, ce qui est appelé la conscience ou bien l'humilité du troupeau. Ça ne marche pas. Si on n'a pas une conscience individuelle chacun, si on ne commence pas par nettoyer ce qui est devant tout un chacun de nous, on n'arriverait jamais, on n'arrivera jamais à nettoyer ce qui nous appartient en termes de collectivité. Alors, j'ai terminé justement avec la référence incontournable de Raffestin qui voit que la territorialité est un système de relations. Laissez-moi vous lire ce qu'il a écrit lui-même, des relations qui le groupent et par conséquent les sujets, sujets selon Raffestin, pour les individus qui appartiennent et entretiennent avec l'extériorité et l'altérité à l'aide des médiateurs dans la perspective d'atteindre la plus grande autonomie possible compatible avec les ressources du système. Référence vers 1986. Dernier point. J'insiste là sur le fait que cela invite à évoquer et analyser la structure latente de la quotidienneté. Alors là, quand on parle de la quotidienneté, on se place dans un paradigme qui naît en postmodernisme. Que nous le voulions ou pas, nous vivons dans la technologie. Maintenant même, nous vivons tous ensemble la technologie, la virtualité, et cette entrée de la postmodernisme, nous le vivons. Et quand on parle du postmodernisme, c'est l'époque du 21e siècle, c'est les valeurs de la diversité. Être contre tout cela, pour moi, c'est pisser contre le vent. Là, c'est un grand problème, car, parce que la structure relationnelle est peu ou très peu perçue par la quotidiennité, et deux, parce qu'aujourd'hui, je rejoins un autre philosophe qui dit que la territorialité est une modalité d'action par laquelle les individus composent collectivement. Voilà. Donc, je laisse ces papiers pour vous dire. Si vous voulez qu'on compose collectivement, c'est ce que j'avance dans mon livre, si vous voulez le on, c'est le nous, c'est ce qui est indéfini, mais c'est nous qui est vraiment irresponsable. Si nous voulons composer collectivement, il faudrait passer par l'individu, il faut passer par le territoire, il faudrait passer par le culturel, il faudrait laisser tomber l'unité, parce que l'unité, l'unification, la standardisation, dans mon livre, je dis que c'est la dictature, c'est le despotisme non éclairé. Cédric, c'est bon? Moi j'étais. Vous m'avez plu.
J'attends à ce que tu me donnes la main. Effectivement, il y a un problème de débit au niveau de Marrakech parce que le son, qu'il y a un problème de débit de l'Internet. Des fois, il est entrecoupé. Donc, Erwan. Je répète, je fais 30 secondes. Là, Anna, à mon avis, hide la vidéo d'Yelk parce que tu as un faible débit d'Internet. Tu arrêtes l'air de le son. Voilà. Donc, là, ça va mieux. Au moins, le son, ça marche. Et quand on aurait besoin de la vidéo, Erwan, je vous remercie encore une fois. Donc, le débat est ouvert. Je connais un dossier sur celui qui veut un éclaircissement. Je n'ai pas fait de résumé de ce qui a été dit, mais je pense qu'il est là pour nous le résumer lui-même. Donc, oui, je connais la parole. Najib. Si Najib. Oui. Alors, très bien. Donc, on vous écoute, si Najib. Très bien. Donc, d'abord, je remercie Cédric pour sa présentation. Alors, ma question est la suivante. Alors, lorsqu'on défend la Mazir, la majorité de ceux qui nous écoutent réduisent ça à ce combat à la langue, à Mazir. Alors que derrière, il y a beaucoup de choses. Il y a une civilisation, une religion ou des religions, une organisation institutionnelle et tout ça. Malheureusement, l'histoire officielle qu'on a reçue à l'école ne nous a pas enseigné malheureusement tout ça. Alors, ceci étant, est-ce qu'on doit refaire carrément l'histoire ou bien seulement la lire autrement, Cédric? À toi la parole, Cédric. Vas-y, Cédric. Oui, c'est bon. Ça marche. Ouais, c'est la question de ça, c'est Najib. Oui, bien sûr, oui. Vas-y. Alors, justement, effectivement, Driss, est-ce que tu es sur PC ou sur téléphone? Est-ce que tu es sur ton PC ou là sur ton téléphone? Je suis sur ça. Moi, je vous écoute. Moi, là, mais est-ce que tu es sur ton GSM? Je suis sur l'ordinateur. Ah, j'ai rien entendu, Ouldi. Je suis sur. Tu es sur quoi? L'ordinateur. Ah, d'accord. Parce qu'il y a un problème. Anna, je me suis dit, si tu es sur la 4G, il faut aller vers un coin où il y a le réseau, il est efficace. Parce que la parole indique qu'il est entrecoupé. Vas-y, on t'entend. D'abord, ça va. Zian. D'abord, ça va. Alors, je dis à M. Najib que. Alors, je dis à Najib que la Mazir, effectivement, s'il est réduit à la langue, c'est ça, c'est la sagesse, c'est normal. La Mazir ne peut être que réduit à la langue. Parce que justement, la Mazir ne peut pas être traitée politiquement en tant que partie politico-linguistique. Driss, il y a un problème de son. Ouais. Et les écouteurs, c'est Hilo. Hilo, les écouteurs, le haut-parleur direct. Vas-y. Alors, je disais à M. Najib que peut être réduit effectivement à mon sens.
si on prend l'amazigh, on le perçoit et on veut traiter cette question à part la langue, c'est qu'on va faire justement de la politique. Moi, je ne fais pas de la politique avec l'amazigh. Je ne fais pas de la politique politicienne, je dis bien. Je sais, ça veut dire le mot politique. J'ai dit que la politique, celui qui ne fait pas de la politique est victime de la politique. Je sais, c'est connu. Mais la politique dans le sens de la politique politicienne, de l'État, des partis politiques, de ce va-et-vient entre les intérêts, les acteurs, Là, Cédric. Cédric. Oui. Il y a un problème de voix. Il y a un problème de voix, donc ça doit être le débit. Alors, voir avec non. Là, c'est un problème de débit. Si tu peux lancer l'application sur ton GSM. Là. Il faut qu'il vérifie est-ce que Dar Ando, il n'y a pas d'autres connexions, l'IPTV ou la chaîne, en même temps qu'il fonctionne sur le routeur. Exact. Moi, je suis à l'IPTV qui marche à adresse. J'ai partagé le 4G, mais le téléphone d'y aller, le PC. Ça ne marche pas. Donc, il vaut mieux reprendre directement le 4G. On te donne 2 minutes. Le débat est ouvert, Mabil Ikhwan. C'est le Razi. Zoul, merci Sidris pour cet exposé important. Moi, je trouve un temps de penser, de réfléchir autrement. Parce que réellement, je m'attendais à ce que Cédric parle des difficultés de standardiser Tamazir et donc du choix de ne pas aller dans ce sens. Alors que lui, il parle de fait accompli, des conditions dans lesquelles vit Tamazir aujourd'hui. Alors que personnellement, je m'inscris pas dans cette réflexion pour plusieurs raisons. La première, c'est que Tamazight n'est pas seulement que la langue, parce que Tamazight c'est une culture, c'est une identité, c'est beaucoup plus qu'une langue. Et puis Tamazight, en tant que qu'elle se présente et qu'elle vit aujourd'hui, a beaucoup perdu, a beaucoup souffert depuis l'ère romaine, en passant par l'arrivée des Arabes, les Almohades, les années 80, quand la politique d'arabisation a été instaurée, etc. etc. Donc, c'est en fait un problème qu'il faut résoudre d'une façon sage, surtout quand Cédric parlait du panamazirisme. Est-ce que je dirais ce que disent les sciences, que ce soit sociales ou les sciences et l'histoire aussi, l'archéologie et tout, dit que Tamazight c'est une unité au départ et que les aléas du temps ont fait que cette situation dans laquelle elle se trouve actuellement est créée. Donc comme par exemple un Kabyle ou un Touareg ou un Marocain là au Maroc s'identifie en tant qu'Amazir et je lui dis non, tu n'es pas Amazir, non, tu es Rifain, non, tu es ceci, non, tu es Amazir, non. Alors moi, je trouve que Tamazir doit être vu d'une vision
différente de celle que Cédric a proposée, aller dans le sens de standardiser ce qui peut l'être et attendre, et plutôt garder sur le territoire ce qui ne peut pas être mis en commun avec tous les Mazirs. Sinon, pourquoi carrément promouvoir ta Mazir? Est-ce que pour ta Mazir elle-même ou bien pour en faire un outil pour arriver à autre chose? Voilà ma question pour Cédric et merci. Très bien. Cédric, tu as repris le... tu es sur place. Médris. Oui, ça marche. Très bien. Donc, C'est le Razi qui a parlé. Est-ce que c'est le Razi qui était... Le Razi, exactement. Ah, d'accord, très bien. Ok. Marhaba, c'est le Razi. Bien, alors donc... je ne sais pas où j'étais, mais je réponds à le Razi. La question de tout à l'heure, j'ai oublié ce que je disais. Pour M. le Razi, donc, tu avais posé une grande question qui est posée par tout le monde. Tu es allé vers l'époque romaine et dire qu'il y a ceux qui disent qu'il y avait une langue qui était une à l'époque. Mais maintenant, elle est diversifiée, c'est ça? Alors, je te dis très sincèrement, celui qui a un document qui peut prouver ça, il va nous le donner. La langue amazigh a toujours été orale. La langue amazigh n'a jamais été écrite. Allô? Vas-y, Amak. Bon, il y a quelqu'un qui parle, je crois. Là, personne. D'accord. La langue amazigh a toujours été orale. Elle a toujours été diversifiée. Il n'y a aucun document dans l'histoire de l'humanité. Aucun document qui parle d'une langue unifiée et qui a été écrite avec une seule grammaire, avec une seule morphosyntaxe, avec une seule je ne sais pas quoi, etc. Jamais, ça n'existe pas. Il y a même Salim Shakir, donc, qui est une référence, qui est parmi les gens de l'INELCO, qui était le pionnier à discuter de tout cela dès les années 70, avec beaucoup de Kabyles naturalisés français après. Il parle du proto-berbère. Le proto-berbère qui voulait dire un berbère supposé, mais il n'y a aucune preuve que ça existait effectivement. Le proto-berbère, ce n'est pas un berbère qui existait. Je suis désolé, ça n'a jamais existé. Donc, et les berbères, au travers de l'histoire, il y avait toujours des gens qui venaient, qui colonisaient. Jusqu'à aujourd'hui, il y a un colon qui arrive, le berbère, l'autochtone, l'Africain du Nord, le Maghrébin, on l'appelle comme on veut selon les époques, il prend la langue de l'autre, et il travaille avec, il marche avec. Une fois il part, il y a un autre qui vient, il prend sa langue, il travaille avec. Ce que nous vivons au 21e siècle, c'est que justement, il y a un autre contexte dans lequel ce n'est plus les empires, ce n'est plus les guerres avec Sioufa, avec les chevaux, ce n'est plus les guerres je ne sais pas quoi. Donc c'est les États-nations, c'est la modernité, c'est actuellement, c'est encore pire, c'est le numérique actuellement, c'est la digitalisation, c'est des choses qui sont là, qu'on veuille ou pas, il faut s'inscrire, et il y a un TGV qui part, il faut monter dans le TGV. Alors, prenons l'exemple de l'Allemagne, parce que le Razi, Monsieur le Razi, vous avez évoqué aussi votre amertume lorsqu'on vous dit que tu es ceci, ou bien l'Atlas, Amazigh, ou bien Rifa, ou bien je ne sais pas quoi. D'abord, sache que ce problème n'existe que chez les Marocains. Un. Deux, en Tunisie, en Algérie, ailleurs, ce problème ne se pose pas. Parce que chez eux, le problème d'unification de la langue ne se discute même pas. Hein, ils vivent l'amazirité telle qu'il est jusqu'à aujourd'hui. Au Maroc, seulement, il y a ce panamazirisme chez les Marocains. J'ai dans mon livre, je l'ai expliqué, c'est une explication du panarabisme, c'est une réincarnation du panarabisme sous une autre forme, chez des gens, une élite qui a essayé de guider, d'orienter les jeunes vers une pensée, malheureusement, et de les impliquer dans un fond qui n'est autre qu'une tradition, qu'il refusait l'Allemagne. L'Allemagne, on dit, tu es qui en Allemagne? Si tu demandes à quelqu'un qui vient au Maroc, tu es qui? Il te dit, je suis un Allemand. Mais en Allemagne, il y a des territoires, il y a des Länder, il y a des régions en Allemagne, il y a des langues territoriales. C'est la même chose pour les pays les plus proches du Maroc, c'est le cas de l'Italie, de l'Espagne.
Si un Espagnol te dit « je suis Espagnol », c'est très bien, c'est normal, moi aussi je suis Marocain. Mais j'ai une autre langue que je parle Darija Mghribia, comme tout le monde, à ma manière, et je parle la langue de la classe. Je ne parle pas ceci, je ne parle pas Rifa. Alors pourquoi est-ce que je suis obligé de parler un dialecte qui va être baptisé langue amazigh, donc, et être imposé à tous les Marocains? Pourquoi? Moi, je me demande pourquoi est-ce qu'on tue cette diversité. Alors donc, moi, ce qui fait ma fierté, c'est appartenir à mon territoire, à ce que je suis, et non pas acquérir une autre identité préfabriquée dans un laboratoire, dite une institution quelconque de l'État. Voilà.